They've come for their revenge. There's a hidden trail through Rome itself. I need access to the Vatican archives. Access to the archives is only by written decree by the Holy Father. Fellas, you called me. This is the first sign. What sort of sign? Earth, air, fire, water. And the fifth sign. May God forgive you for what you've done. Father, if God has issues, they won't be with what we've done. They'll be with what we're about to do. Our church is at war. Hey! This is the first marker. The path is alive. You're talking about the moment of creation. Open the doors and tell the world the truth. It has to be here! This is it. This is the truth. Pour ceux qui ont entendu un petit peu, qui ont regardé les sous-titres, quels sont les éléments dont il était question dans ce court extrait du film Ange et Démon. Quels sont les éléments que vous avez retenus? De quoi est-ce qu'il est question? Hein, l'Église catholique, on parlait de l'Église catholique. On parlait de quoi d'autre? Le Vatican, donc. La vérité. Une société secrète appelée Illuminati. Et on parlait de complot. Okay. Alors là-dedans, la façon dont ces choses sont agencées, tous ces éléments dont on parle, l'extrait existe concrètement. Maintenant, la façon dont ils sont agencés dans cet extrait-là est fausse. On va voir à quoi correspond la vérité, qu'est-ce que le Vatican concrètement et qu'est-ce que sont les Illuminati, cette société secrète. On va essayer de comprendre comment le monde fonctionne, qui dirige le monde. On va voir que l'homme le plus puissant sur cette terre n'est pas Barack Obama. Culture moderne et nouvel ordre mondial. Alors, la vie est une question de choix, et les choix se font sur la base d'informations. Qu'en est-il si l'information dont on dispose pour faire nos choix dans la vie est falsifié et erroné? Qu'en est-il si ce qu'on nous a appris depuis que nous sommes enfants est faux? Que va-t-il en être de nos choix? Est-ce qu'on va faire des bons choix ou des mauvais choix? Si l'information reçue est mauvaise, les choix seront aussi mauvais. Mais si on a une bonne information, les choix sont bons. Alors voici deux citations. Une première citation d'Israéli qui a été premier ministre d'Angleterre au XIXe siècle et qui dit ceci dans un livre intitulé « Coningsby ». Le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne se l'imagine ceux dont l'œil ne plonge dans les coulisses. Et Honoré de Balzac, dans l'illusion perdue, il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, qu'on ancienne, l'histoire ad usum delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Donc ces deux personnages semblent nous dire qu'il y a deux réalités, deux histoires. L'une qui est révélée et l'autre qui est caché. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire ensemble, si vous voulez bien, c'est d'essayer de prouver quelle est cette histoire cachée. Quelle est cette histoire qu'on nous cache, qui peut nous apporter la vérité, à propos de laquelle Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, vous ?» Amen. Donc, comment fonctionne le monde? Là est la question. Alors, voici un résumé, en fait, si vous voulez, de façon assez simple et schématique, des sujets qu'on va aborder dans le cadre de cette conférence. Alors, la parole de Dieu, la Bible dit que Satan est le prince de ce monde, que c'est lui qui dirige ce monde, c'est effectivement ce qu'on va constater. Et on va voir que le bras armé de Satan sur cette terre, l'institution par laquelle Satan dirige le monde, c'est le Vatican, l'Église catholique, apostolique et romaine. On va voir par la suite que le Vatican a créé une institution, l'ordre des jésuites, par lequel il a la main basse sur tous les systèmes politiques et gouvernementaux qu'il puisse y avoir dans le monde. Donc l'ordre des jésuites. On va voir que l'ordre des jésuites a créé deux sociétés secrètes. Une première, la franc-maçonnerie, dont on parlera demain. Une deuxième, les confréries Illuminati, dans lesquelles sont présents les hommes les plus puissants de la Terre. Vous pouvez parler de George W. Bush, vous pouvez parler de John Kerry et de plein d'autres encore, qui sont dans ces sociétés secrètes-là, ou des plus grands patrons et CEO d'entreprises. Nous verrons que la franc-maçonnerie... Alors, à partir de là, en fait, si vous voulez, les premières étapes-là sont celles qu'on va voir aujourd'hui et demain. Pour toutes les étapes qui sont en dessous, il était prévu qu'on les fasse cette semaine, mais il y a eu un changement, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner encore. Mais peut-être que dans l'avenir, on aura l'occasion de le voir ensemble. La suite, en fait, de la conférence, les 3e, 4e, 5e, présentation et 6e, parle du fait que la franc-maçonnerie a créé une franc-maçonnerie afro-américaine qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall, une institution dans laquelle des cultes lucifériens sont pratiqués par des hommes de pouvoir. Et cette franc-maçonnerie afro-américaine
a créé tout un tas de fausses doctrines, parmi lesquelles la Nation of Islam. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, la Nation of Islam? Si je vous dis Mohamed Ali, vous... Ouais. Vous vous souvenez que Mohamed Ali était dans une secte un peu bizarre? Ouais. Ou Malcolm X? Malcolm X était un ministre dans la Nation of Islam, qui est une secte, ok? Donc on va parler de la Nation of Islam, et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, la Nation of Islam, ayant été créée par la franc-maçonnerie, va former des gourous, quatre grands gourous en fait, parmi lesquels Malachi Ziyork, Louis Farrakhan, qui est encore vivant aujourd'hui, Malachi Ziyork est en prison, Wahiduddin Muhammad, qui est mort il y a quelques années, et Clarence 13X. Et ce que nous allons voir, c'est que ces quatre hommes, francs-maçons des 32e et 33e degrés, des hommes ayant vendu leur âme au diable et servant Lucifer, vont créer chacun leur secte. Pour Malachi Ziyork, il va créer les sectes qu'on appelle sectes de New Hobian, aux États-Unis, et notamment dans le quartier de Bushwick, à New York. Louis Farrakhan va succéder à Elijah Muhammad à la tête d'une secte qui s'appelle la Nation of Islam. Wahiduddin Muhammad va se mettre en tête du mouvement de l'islam sunni en Amérique du Nord, qui est le même islam que celui qui est présent au Maghreb. Et Clarence 13X va créer la secte des Five Percenters. Et ces quatre hommes-là, qui travaillent pour le Vatican, ces quatre hommes-là, francs-maçons de 33e degré, vont être les gourous, les pygmalions, des pères fondateurs de la culture hip-hop. Ce sont eux qui vont former et façonner les pères fondateurs de la culture hip-hop. Donnez-moi quelques noms des pères fondateurs de la culture hip-hop. Dr. Dre, quoi d'autre encore? Africa, Bam. Afrika Bambaataa, par exemple, c'est lui qui a inventé le mot hip-hop. Jay-Z, le Wu-Tang Clan, tous ces noms-là, des pères fondateurs de la culture hip-hop, tous ont grandi dans ces sectes-là, ont été enseignés par ces hommes à adorer Satan, à servir le diable et à détourner de la vérité ceux qui cherchaient le chemin du salut. C'est leur job. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver durant les présentations à travers une démarche universitaire. Donc ça fait en tout... Cette présentation, nous on verra que les deux premières, aujourd'hui et demain, dans la partie d'aujourd'hui, introduction à la phase B de l'histoire, on va parler de la toute-puissance du Vatican et comment le Vatican a créé les Illuminati, qui sont les Illuminati. La deuxième partie, que demain, on va parler de la franc-maçonnerie, on se posera la question de savoir ce qu'est la franc-maçonnerie, qui est dans la franc-maçonnerie et que fait la franc-maçonnerie. Les autres parties, j'espère qu'on aura l'occasion de les voir ensemble, mais pour le moment, ça n'est pas encore décidé. Alors, première partie, introduction à la phase B de l'histoire, les Illuminati et la toute-puissance du Vatican. Alors, on a cinq sous-parties aujourd'hui. Premièrement, on va poser un postulat. Le postulat qu'on va poser, c'est le fait que le Vatican dirige le monde. Pourquoi ce postulat-là? On va aller dans les Écritures, dans la parole de Dieu, et on va voir que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et après, on va essayer de démontrer ce postulat-là à partir de l'histoire, en faisant des recherches ensemble, si vous voulez bien, voir est-ce que le Vatican, il dirige aujourd'hui concrètement le monde. Le deuxième point qu'on abordera aujourd'hui, on parlera de l'archétype d'une société secrète, les chevaliers templiers. On parlera ensuite de l'ordre des jésuites, des Illuminati, et enfin des cultes sataniques et des hommes de pouvoir dans le Bohemian Club. Alors on va commencer en partant de la Bible. Une fois qu'on sera passé dans la Bible, pendant une dizaine de minutes, on va aller dans l'histoire, on va aller loin dans le temps jusqu'au XIIIe siècle. On va remonter peu à peu jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin de la présentation d'aujourd'hui, on sera dans l'époque contemporaine et on parlera de noms qui vous sont très communs, John Kerry, George W. Bush et tous les autres. Et je pense qu'au milieu de ça, il y a une pause. Je ne sais pas trop à quel moment. Normalement, on en a à peu près pour, entre, je crois, si je me souviens bien, entre 2 et 3 heures, m'avait dit Pasteur avant d'y arriver, quelque chose comme ça. Alors, la parole de Dieu, la Bible, dit dans Luc 4, versets 5 à 8. Le diable, menant donc Jésus sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Dis, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, lui seul. » Donc dans cette partie, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que Satan dit que la gloire et l'autorité sur terre sont siennes, qu'elles lui ont été données, et effectivement Adam a donné gloire et autorité qu'il possédait au jardin d'Éden à Satan. Et la Bible déclare donc que la personne qui donne gloire et autorité sur terre, c'est Satan, qu'il la donne aux hommes, et ce qu'on apprend ici, c'est qu'il la donne aux hommes qui choisissent de l'adorer, de lui rendre gloire, de se prosterner devant lui. Jésus a refusé, mais on va voir que beaucoup ont accepté. Psaume 2, verset 1 à 9, qu'on lisait ce matin, dit ceci. « Pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité?
Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Oint qui est Christ en hébreu, celui qui a reçu l'onction, le créma, ou, non, excusez-moi, en grec Christ et en hébreu Meshiach, Messie, loin là encore. Donc, psaume 2 nous dit tout simplement que les rois de la terre, les puissants de ce monde, les présidents, les premiers ministres, complotent ensemble contre Jésus-Christ. Qu'ils complotent ensemble. Qu'ils prennent une table, qu'ils se mettent autour d'une table ensemble et qu'ils complotent concrètement ensemble contre Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et de but en blanc, c'est difficile à croire, mais c'est la réalité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Psaume 110, versets 5 à 6 nous dit donc, parce que les puissants de ce monde complotent contre Christ, complotent contre Dieu, le Seigneur est à ta droite et il va exécuter les rois au jour de sa colère. Il va juger parmi les nations, il va remplir les places avec des corps morts, il va exécuter les têtes de beaucoup de pays. Ainsi, les chefs de ce monde complotent. Comment sont-ils organisés? Qui les dirige? Là est la question. Alors, le postulat qu'on va poser, c'est que c'est le Vatican qui dirige ces hommes-là et que c'est le Vatican qui dirige le monde. Pour quelle raison? La Bible nous dit dans Apocalypse 17, versets 1 à 9, parlant de la puissance qui dirigera le monde à la fin des temps, ceci. Et l'un des sept anges me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parlait d'or, et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Et il y avait un nom sur son front, un nom écrit « Mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Ici est l'entendement, qui a de la sagesse, les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Si on prend ce texte-là qui nous parle d'une femme, vous savez certainement qu'une femme dans un contexte prophétique représente ou l'église de Dieu, ou sinon l'église qui a apostat, la fausse église, okay, les églises de perdition. Si on regarde ici par exemple quelques pièces de monnaie du Vatican, on voit qu'il est noté sur ces pièces de monnaie du Vatican datant de 1958, 59 et 63, Città del Vaticano, avec une femme qui tient une coupe dans sa main, avec le soleil, donc le soleil qui est jaune, couleur or, la femme ayant dans sa main une coupe d'or. Cette femme-là s'appelle Fides, qui est notée juste en dessous. Fides, ça n'a rien à voir avec Marie, on y viendra là demain, on en parlera demain. Il est dit que la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or, qui sont les couleurs qu'on retrouve là encore chez le Vatican. Et si on continue, il est dit que les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Est-ce que vous savez la ville de Rome, sur combien de collines repose la ville de Rome? Sept. Sept collines. À savoir Aventine, Palatine, Capitole, Quirinal, Viminal, Esquiline, Quellus. Sept collines sur lesquelles repose la ville de Rome. Alors ces éléments-là sont très peu de choses par rapport à tout ce qu'enseigne la Bible qui nous permet de déterminer que c'est le Vatican qui dirige le monde. Il y en a beaucoup plus à savoir, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. À partir de ces éléments-là, on va poser le postulat que le Vatican dirige le monde, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de le démontrer tout au long de la présentation d'aujourd'hui. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble la mécanique. Il y avait un ancien ordre mondial, Babylone, une seule langue, une seule nation que Dieu a divisée, et depuis... Le pouvoir du mal sur cette terre, le Vatican, essaie de rétablir un nouvel ordre mondial, une nouvelle Babel, avec tout un tas de mécanismes qui ont été mis en place pour ce faire. Que nous allons regarder aujourd'hui. Je passe le texte de Genèse. Donc on va passer à la deuxième partie, et on va essayer de voir comment est-ce que le Vatican, concrètement, a dirigé le monde à travers les âges. Avec un exemple qu'on va prendre, l'ordre des chevaliers templiers. Alors, qui a déjà entendu parler des chevaliers templiers? Les croisades, vous avez étudié les croisades en cours? Ouais? Ok. Hein? Les croisades remontent au Moyen-Âge. C'est l'époque à laquelle les nobles qui vivaient en Europe, les chrétiens d'Europe, faisaient un pèlerinage jusqu'en Terre Sainte, Jérusalem, pensant à y obtenir le pardon de leurs péchés. Une époque où le Vatican avait tout pouvoir sur le monde connu, et ce qui était enseigné, c'est un salut qui se faisait par les œuvres. Et donc les hommes et les femmes qui avaient de l'argent ou la possibilité prenaient la route et allaient jusqu'à Jérusalem, terre sainte où le Christ avait été crucifié 1300-1400 ans plus tôt, afin d'obtenir le pardon de leurs péchés sur cette terre-là. Chemin faisant, il y avait de nombreux voleurs sur la route, et beaucoup de personnes se faisaient ou assassiner ou voler. Il y a eu donc différents ordres de chevaliers qui ont été mis en place par le Vatican pour protéger sur le chemin
les croisés, ceux qui partaient ou en guerre là-bas, ou bien ceux qui partaient en pèlerinage là-bas. D'où l'origine des chevaliers templiers. Les chevaliers templiers étaient là pour protéger le pèlerinage à la ville de Jérusalem. Alors vous avez là différents symboles des chevaliers templiers. La couronne et la croix et la couronne de Salomon, l'aigle à deux têtes, la croix des templiers ici. Et Nesta Webster, dans Secret Societies and Subversive Movement, en 1924, nous dit ceci. Les Templiers furent fondés en 1118, soit 19 ans après que la première croisade se soit conclue par la défaite des musulmans et la récupération de Jérusalem. C'est à l'origine un groupe de 9 gentilshommes français, menés par Hugues de Payen et Godefroy de Saint-Omer, qui se donnèrent pour mission de protéger le pèlerinage vers le Saint-Sépulcre. Résidant à proximité du site où était le temple de Salomon, on les nomma Templiers. En 1129, ils furent reconnus par le pape lors du Concile de Troyes comme un ordre catholique romain. Donc l'ordre des chevaliers templiers était un ordre catholique romain, un ordre de chevaliers catholiques romains qui protégeait les pèlerins vers la ville de Jérusalem. Alors là, vous avez une carte qui représente un petit peu ce qui se faisait à l'époque. Donc les pèlerins partaient de cette partie-là de l'Europe et ils voyageaient jusqu'à Jérusalem, à peu près ici. Donc d'ici jusque-là. Et sur le chemin, donc, il y avait un grand nombre de voleurs et d'autres éléments. Et les templiers étaient là pour apporter la protection à Jérusalem et aux alentours de Jérusalem, contre les Sarrasins, notamment les musulmans, par exemple, de l'époque. En remplissant leurs fonctions, les chevaliers templiers ont commencé à mettre sur pied quelque chose qui ressemble un petit peu au premier Western Union. Vous connaissez Western Union ? Ouais, les transferts de fonds ? Ok. Donc les chevaliers templiers ont commencé aussi à faire les premiers transferts de fonds, si on veut, et sont beaucoup enrichis. En s'enrichissant, ils ont causé la jalousie d'un grand nombre de rois en Europe, et notamment le roi des Francs de l'époque. Alors, Morals and Dogma, un livre écrit par Albert Pike, dont on parlera demain plus dans le détail, qui est un livre qui constitue un peu la Bible de la franc-maçonnerie. Dans ce livre-là, Albert Pike, le charmant jeune homme que vous voyez ici, nous dit ceci par rapport aux Templiers. Les Templiers, comme tous les autres ordres secrets, avaient deux doctrines, l'une cachée et réservée aux maîtres, qui était le johannisme, et l'autre publique, qui était la catholique romaine. Alors, quelle était cette doctrine cachée des chevaliers templiers? En fait, il va s'avérer, on va découvrir que les chevaliers templiers pratiquaient différents cultes assez particuliers. Il est dit notamment qu'ils louaient une représentation du diable qu'on appelle le Baphomet, Baphometus, qui représente l'illumination en fait. Donc, c'est qui est représenté ici, c'est une illustration du 19e siècle qui est ici. Et lorsque le bruit va passer que les templiers pratiquaient des adorations et des cultes lucifériens, les rois de l'époque, et notamment le roi des Francs, qui était extrêmement jaloux d'eux, va saisir l'occasion pour les arrêter sur le point qu'ils pratiquaient des cultes lucifériens. Ils vont être menés à un interrogatoire, et dans l'interrogatoire auquel ils vont être menés, voici les réponses qui vont être apportées. Alors là, je lis dans Philippe-Antoine Grouvel, Mémoire historique sur les chevaliers templiers, un livre qui date du début du 19e siècle. Alors voici l'interrogation de Pierre Mauriac, qui avait été reçu il y a 25 ans dans l'Orient, où il était concierge du château des pèlerins. Il avoue tout. Le baiser obscène, le commandement de renier et de cracher sur le crucifix, et la permission de sodomie. Le cordon, suivant ce qu'on lui avait dit, s'attachait à une tête qu'on gardait dans le trésor. Aussi cessa-t-il de le porter. Cette tête lui était suspecte, cependant on lui avait dit seulement que c'était celle de Saint-Pierre ou Saint-Blaise. Durand Charner, après avoir avoué comme les autres les points essentiels, ajoute que 2 mois après sa réception, ayant demandé une instruction sur les points d'ordre, on lui dit que Jésus avait souffert et était mort sur la croix, non pas pour nos péchés, mais pour ses propres crimes. Alors là, c'est quelque chose d'assez particulier, ce qui est enseigné là. Pour ceux qui le savent, ça se rapproche, et c'est peut-être même ce qu'on appelle le péché contre le... de dire que Christ est animé d'un esprit impur. Et si on croit qu'il est mort pour ses propres péchés, il n'y a plus aucun salut qui puisse être offert à l'homme. Voilà ce que disait Jésus dans Marc 3, versets 22 et 28. « Il a Belzébul et par le chef des démons, il chasse les démons, disaient les pharisiens. » Et Jésus rétorque ceci. « En vérité, je vous le dis, que tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles ils blasphèment. Mais quiconque proféra des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible du jugement éternel. C'était parce qu'il disait « Il a un esprit immonde. » En continuant, par rapport aux chevaliers templiers, il faut savoir que les accusations qui sont portées contre eux, à savoir qu'ils faisaient des cultes lucifériens, qu'ils pratiquaient entre hommes tout un tas d'abominations, telles que la sodomie, comme il était dit, ont soulevé des tollés, et qu'aujourd'hui encore, beaucoup réfutent cette accusation-là, et la disent non vraie. Voilà ce que dit ici l'auteur Philippe-Antoine Grouvel, l'auteur de Mémoire sur les Templiers.
Il s'agit non de la simple inculpation de sodomie, on convient même les apologistes des Templiers que si ce n'est l'ordre, du moins les individus ont pu la mériter, mais de la permission officielle de s'y livrer, qui était donnée par les chefs aux frères, aux récipiendaires par le supérieur qu'ils recevaient. On s'est beaucoup écrit sur ce fait, on le rejette comme une calomnie dégoûtante, absurde, invraisemblable, incompatible avec la gravité de l'institution et la dignité des personnages. Cette méthode de réfutation est plus oratoire que solide, c'est de juger l'institution par sa règle, des personnages par leur titre, de ce qui est par ce qui doit être. Le fait que les Templiers pratiquaient toutes ces abominations est une réalité, et la raison pour laquelle ils pratiquaient ces abominations, c'est parce que lorsque vous choisissez de servir le mal, vous grandissez dans le pouvoir du mal et de Satan en vous rapprochant de sa volonté. Et quelle est la volonté du mal ? Simplement celle qui est opposée à Dieu. Le plus vous commettez ce qui est abominable et ce qui est écœurant vis-à-vis de Dieu, et le plus les esprits de démons prennent possession de vous. Inversement, le plus vous vous rapprochez de Dieu, le plus Dieu se rapproche de vous et l'ennemi s'éloigne de vous, selon ce que dit la parole. Et donc ces Templiers pratiquaient toutes ces choses. Ce qui explique la raison pour laquelle ils étaient immensément riches. Souvenez-vous ce qu'on disait au début ? Satan possède gloire et autorité, et il la donne à qui il ? Si donc une personne choisit de se prosterner devant lui et de l'adorer, s'il le souhaite, il lui donnera l'autorité. Et c'est ce que pratiquaient les Templiers, ce qui explique leur autorité et leur gloire de l'époque. Alors ils ont été arrêtés, plusieurs sont passés sur le bûcher, et depuis l'ordre a disparu. Mais ça nous permet d'avoir un petit peu l'image d'une société, d'un ordre rattaché au Vatican, pratiquant des cultes sataniques et ayant tout pouvoir sur le monde. Donc en résumé, les chevaliers templiers étaient un ordre catholique romain, chrétien en apparence, mais luciférien, illuminé. Lucifer signifie luxe, lumière, faire porter, donc porteur de lumière, illuminé. En réalité, avec des rites obscurs et une profonde haine de Jésus-Christ, d'où leur immense richesse. Alors aujourd'hui, les chevaliers templiers ont disparu, mais ils existent encore dans la franc-maçonnerie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la franc-maçonnerie ? Qui a déjà entendu parler de la franc-maçonnerie ? Qui en a entendu parler de manière positive ? Qui en a entendu parler de manière négative ? Ok. Donc, l'ordre des chevaliers templiers existe encore aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. C'est l'ordre que vous voyez ici dans le rite de York. C'est le degré le plus élevé du rite de York. Donc, c'est le niveau hiérarchique le plus élevé d'un des rites franc-maçons. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui connaissent Marcus Garvey. Marcus Garvey, par exemple, était un chevalier templier, okay, du rite de York. Alors, vous avez d'autres ordres de l'époque qui existent encore aujourd'hui, comme le Secret Military Order of Malta, l'ordre militaire secret de l'île de Malte. Et vous les voyez ici réunis avec Benoît XVI, donc le pape. Ici, Andrew Wilhelm Bertie, donc avec le pape Benoît XVI, puisque c'est un ordre catholique romain, toujours aujourd'hui. Alors là, ce sont les chevaliers de Teuton. Pour vous parler des chevaliers de Malte, qui existent encore aujourd'hui et qui datent de la même période que les chevaliers templiers, voici ce qu'on apprend par rapport à eux. Le Figaro Magazine, en date du 30 juin 2001, nous dit ceci par rapport aux chevaliers, par rapport à l'ordre des chevaliers de Malte. 500 Français sont chevaliers de l'ordre de Malte. Quelques célébrités parmi les membres, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, le cardinal Jean-Marie Lustiger, Louis de Bourbon, qui est supposé être le roi de France. Observateur permanent à l'ONU, il est aussi représenté au Conseil de l'Europe, à l'OSM et à l'UNESCO. Donc Valéry Giscard d'Estaing, Von Papen, que vous voyez ici, est aussi membre des Chevaliers Templiers, selon Philippe Chéneau. Von Papen, qui avait un haut rang à l'époque du pouvoir nazi, sous Hitler. Vous avez ici Henry Luce, qui est fondateur du Time Magazine et d'autres magazines très connus aux États-Unis, qui était aussi un membre des Chevaliers de Malte. Voilà ce qu'on apprend à propos des Chevaliers de Malte. Dans le livre de Edith Simon, intitulé « Les Chevaliers of the Maltese Cross, de la Croix de Malte ». Siégeant à Rome, ces chevaliers du César papal contrôlent les complexes bancaires, industriels et militaires du monde. Ils contrôlent la Chase Manhattan Bank, JP Morgan aujourd'hui, avec des branches à Moscou et New York. Il dirige l'International Intelligence Community, le KGB à l'Est et la CIA à l'Ouest, afin de restaurer la période sombre du Moyen-Âge. Alors ce livre-là a été écrit en période de guerre froide, dans les années 60. Okay ? Aujourd'hui, le KGB, comme vous le savez, n'existe plus. Mais à l'époque, dans les années 60, c'est ce dont il était mention. On va regarder un livre qui est beaucoup plus récent et qui nous parle de la situation des chevaliers de Malte aujourd'hui dans le monde.
Un livre écrit par Lawrence French, qui est titulaire de 2 doctorats, 2 PhD, et qui enseigne présentement à l'université de la Western New Mexico aux États-Unis. Alors voilà ce que nous dit Lawrence French, donc qui est titulaire de 2 doctorats et qui est le directeur des programmes de psychologie dans une université en Amérique du Nord. Les Chevaliers de Malte comptent parmi leurs membres Martin Shee de Morgan Bank, donc JP Morgan, William Simon de Citicorp, donc c'est le groupe de City, en fait, une grande banque, et secrétaire du Trésor sous le président Reagan, Prescott Bush Jr., fils de George Bush et frère du président George W. Bush, Alexander Haig, secrétaire d'État sous le président Reagan, Lee Iacocca, leader chez Ford et Chrysler, William Schreier de Merrill Lynch, une autre grande banque, le baron Hilton des hôtels Hilton, et le père de celle que vous connaissez peut-être, là. Et les anciens directeurs de la CIA, William Donovan, John McCone et William Casey. Clamant d'être une organisation internationale à but caritatif, les membres des Chevaliers de Malte ont été impliqués dans de nombreuses opérations clandestines, ayant grandement bénéficié aux États-Unis, ainsi qu'aux corporations internationales intéressées. Les Chevaliers de Malte ont aidé la CIA en Amérique centrale, dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, pour le renversement de Salvador Allende au Chili. Ces missions sont souvent effectuées par des pseudo-corporations telles que AmeriCares ou Christian Broadcasting Network. Plus sinistres encore sont les liens entre le Vatican, les Chevaliers de Malte et les organisations néo-nazies, les escadrons de la mort et les Contras en Amérique du Sud. Ce qui incluait ramener aux États-Unis des douzaines des leaders nazis des plus hauts rangs, plusieurs étant directement reliés aux atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. George Bush et la mère du président George W. Bush servaient comme ambassadeurs d'AmeriCares avec le secrétaire d'État Colin Powell. Donc est-ce qu'on trouve dans cet ordre-là des hommes de pouvoir ? Est-ce que parmi les Chevaliers de Malte, vous avez vu des noms que vous reconnaissez d'hommes et de femmes de pouvoir ? Oui, non, oui. Bush, Colin Powell, le baron Hilton, etc. Et quelles sont les pratiques selon ce qui est dit ici ? Ils servent le Vatican, puisque c'est un ordre catholique romain, et pour le compte du Vatican, pratiquent tout un tas d'abominations, en mèche avec les mouvements nazis ou les mouvements extrémistes qu'il peut y avoir en Amérique du Sud. Alors ici, on a le... Vous connaissez John Fitzgerald Kennedy, JFK ? Ouais ? Ok. Le père de JFK, Joseph Patrick Kennedy, que vous voyez ici, était un éminent membre des Chevaliers de Malte, lui aussi. Comme c'est dit ici. Alors après avoir parlé des Chevaliers de Malte, on va parler de l'ordre qui concrètement aujourd'hui dirige le monde. C'est l'ordre des Jésuites. Et on va passer du temps dessus et sur les Illuminati notamment. Là, on se rapproche de choses qui sont beaucoup plus proches de nous dans le temps. Donc on va parler de l'ordre des Jésuites. Alors, les Jésuites ont été fondés au XVe siècle par un homme qui s'appelait Ignatius Loyola. Ignatius Loyola était un... Excusez-moi, c'est pas XVe siècle, c'est XVIe siècle. Ils ont été fondés au XVIe siècle par Ignatius Loyola. Ignatius Loyola était un catholique qui vivait dans une époque au XVIe siècle où un mouvement de pensée était grandissant en Europe. Est-ce que vous connaissez ce mouvement de pensée-là qui avait pris naissance avec des hommes tels que John Wycliffe en Angleterre au XIIIe, XIVe... Là, la réforme, le mouvement de réforme, le protestantisme. L'Europe, au XVIe siècle, est prise d'assaut par le Saint-Esprit, concrètement, et le mouvement de réforme, le protestantisme, commence à émerger, qui constitue assez simplement en un retour aux Écritures, à l'enseignement des Écritures. La base du protestantisme, c'est le sola scriptura, qui signifie qu'on prend l'autorité dans les Écritures et non dans le pouvoir papal. Non dans les enseignements du pape, mais dans les Écritures. Et ce mouvement qui commence à prendre de l'essor au XVIe siècle en Europe est en abomination aux yeux du Vatican. Le Vatican perd du pouvoir, non seulement ça, mais en plus des enseignements, leur enseignement commence à paraître totalement obsolète, à côté de ce qu'a enseigné par les grands du mouvement de réforme. Que ce soit les John Wycliffe, que ce soit les Jean Hus, que ce soit les Martin Luther et tous les autres. Et à cette période-là, le Vatican va créer un mouvement de contre-réforme pour essayer de détruire le protestantisme. L'un des ordres principaux qui vont s'attaquer au protestantisme, c'est l'ordre des Jésuites. Il va être créé dans le but de détruire le mouvement de protestantisme, dont, entre guillemets, vous êtes le fruit aujourd'hui. Nous sommes le fruit du mouvement de protestantisme. Okay ? Ignatius Loyola donc, va créer l'ordre des Jésuites dans cette idée-là, détruire le mouvement de protestantisme. Alors les Jésuites furent fondés le 15 août 1534 par l'Espagnol Ignatius Loyola et reconnus par le pape Paul III comme un ordre catholique romain le 27 septembre 1540. 2 années plus tard, ils vont réinstaurer l'Inquisition. Est-ce que vous savez ce qu'est l'Inquisition ?
La question de torture, ça vous dit quelque chose? Il s'agissait, vous avez entendu dire, quand vous étiez certainement au collège ou au lycée, que l'Inquisition, c'était le fait de brûler et de torturer des sorciers et des sorcières. C'est ce qu'on vous a dit. C'est pas vrai. C'est faux. Il y avait très peu de sorciers et de sorcières qui étaient torturés. L'Inquisition, c'était la torture, l'assassinat des personnes qui recopiaient les passages de la Bible, des personnes qui enseignaient la parole de Dieu, des personnes qui choisissaient de suivre l'enseignement des Écritures. L'Inquisition, c'était essentiellement ça. Il y a très peu de sorciers et de sorcières qui sont tombés sous le joug de l'Inquisition, mais énormément de protestants qui sont tombés sous le joug. On compte qu'il y a plusieurs dizaines de millions de protestants qui, sur plusieurs siècles, ont été assassinés, tués, lynchés à cause de leurs convictions, du fait qu'ils recopiaient la parole de Dieu, qu'ils la partageaient. Parmi lesquels les Vaudois, par exemple, etc. Alors, Ignatius Loyola était un mystique chrétien et créa dans le même temps les exercices spirituels des jésuites qui inspireront beaucoup la franc-maçonnerie par la suite. La mission originelle de la Société de Jésus, c'est un autre nom pour l'ordre des jésuites, était la destruction du mouvement de réforme, le protestantisme. Donc, quel est le premier objectif des jésuites ? Détruire le protestantisme, c'est leur raison d'être. C'est pour ça qu'ils existent. Dans le bulletin de la Société sur l'histoire du protestantisme français, on peut lire ceci en page 378. L'ordre des jésuites a été institué, on le sait, en 1536 pour arrêter et étouffer la réformation au berceau en lui suscitant les antagonistes les plus redoutables. Et Jean-Claude Guénée, dans son dictionnaire d'ascétisme, nous dit « Il fallait pour arrêter les progrès du protestantisme une grande énergie, un véritable dévouement, une prudence consommée, un clair objectif du but à atteindre. Tout cela se rencontra dans l'ordre des jésuites. Il semblait qu'une véritable barbarie allait s'étendre sur l'Allemagne, berceau du protestantisme. » Je ne sais pas si vous avez déjà lu certains livres de Voltaire. Il y en a un notamment, c'est quoi déjà le titre ? C'est Candide, c'est ça, Candide ? Avez-vous lu Candide de Voltaire ? Où il voyage, si mes souvenirs sont bons, là c'est assez ancien, il voyage, à un moment il se retrouve dans un pays où il y a, je crois en Bulgarie, là c'est un autre nom, mais où il y a des pratiques absolument abominables qui sont faites durant la guerre, les gens sont torturés, éventrés, toutes ces choses-là. C'est ce dont il est question en fait, c'est ce qui était pratiqué par l'ordre des jésuites. La Société de Jésus a été formée avec l'intention expresse de combattre le protestantisme donc. Alors, voici un extrait du serment que prêtent peut-être encore aujourd'hui et que prêtaient les jésuites à l'époque lorsqu'ils passaient à un ordre supérieur dans l'ordre des jésuites, lorsqu'ils passaient à un statut supérieur au niveau hiérarchique dans l'ordre des jésuites. Voici ce qu'ils déclaraient devant le supérieur devant eux. Donc le serment qui suit a été inscrit dans le United States Congressional Record, dans les archives du 62e congrès, et puis il y a d'autres sources encore qui permettent de valider l'authenticité en fait de ce serment-là, que je vais vous lire maintenant. Donc quand un jésuite de rang mineur accède à un poste de commandant, on le conduit à la chapelle d'un couvent de l'ordre. Il se retrouve devant trois autres personnes seulement, le principal ou supérieur se tenant devant l'autel. Celui-ci est encadré de deux moines, l'un d'eux tient une bannière aux couleurs jaune et blanche, les couleurs du pape, l'autre porte une bannière noire où figurent une dague et une croix rouge, au-dessus d'un crâne et de deux tibias croisés. Vous savez les drapeaux de pirates, okay. Avec les lettres INRI. Au-dessous de ces lettres figurent ces mots écrits en latin « Justum necar reges impii », cela signifie « Il est juste d'exterminer les rois impies » et non pas « Jésus-Christ, Seigneur, je ne sais pas quoi » comme c'est marqué en général quand on voit sur les petites croix. Voilà la réalité de la chose. Alors qu'est-ce qui est prononcé ? Là, le supérieur général s'adresse à l'homme, au jésuite, qui souhaite passer à un rang plus élevé au niveau hiérarchique. Voilà ce qu'il lui dit. « On t'a enseigné à planter insidieusement des semences de jalousie et de haine entre les communautés. » Les provinces et les États qui étaient en paix, à les inciter à commettre des actes sanglants, à les provoquer à la guerre les uns avec les autres et à déclencher des révolutions et des guerres civiles dans des pays qui étaient indépendants et prospères, à te ranger aux côtés des combattants et à agir secrètement avec tes frères jésuites qui pourraient être engagés dans la partie adverse tout en étant ouvertement opposés à la cause que tu défends, pour la seule raison que l'Église puisse toujours être du côté des vainqueurs, dans les conditions fixées dans les traités de paix, et parce que la fin justifie les moyens, on t'a assigné à travailler comme un espion. Et donc, l'homme jésuite qui souhaite passer un rang supérieur dans l'ordre déclare, « Moi, en présence d'eux, je déclare encore et je promets que lorsque l'opportunité se présentera, je mènerai une guerre incessante, secrète ou ouverte, contre tous les hérétiques, hérétique ça signifie penser par soi-même, protestants, comme on me l'ordonnera, pour les extirper de la face de la terre. »
je ne tiendrai compte ni de l'âge, ni du sexe, ni de la condition sociale, et que j'accepte de pendre, brûler, détruire, échauder, écorcher, étrangler ou enterrer vivant ces infâmes hérétiques, que je fendrai les entrailles et le ventre de leurs femmes, et que j'écraserai la tête de leurs enfants contre les murs, afin d'annihiler cette race exécrable. Alors, c'est très différent du monde dans lequel on vit présentement. Ça paraît un petit peu venu d'ailleurs, mais c'est exactement ce qui se passait à l'époque de l'Inquisition. Exactement ce qui se passait à l'époque de l'Inquisition. Et c'est ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, pas plus tard qu'il y a une 60aine d'années, 70 ans, dans les camps de concentration. Va donc dans le monde entier et prends possession de toute terre au nom du pape, celui qui ne l'acceptera pas comme vicaire de Jésus, donc comme remplaçant de Jésus, et son vice-régent sur la terre, qu'il soit maudit et exterminé. Donc concrètement, qu'est-ce qui a été fait durant cette période trouble de l'humanité? C'est ça qu'on appelait l'Inquisition. Vous voyez cet homme, qui est très, très certainement un protestant, qui est torturé, on lui écrase les tibias. Ça, c'était la question de torture, on vous s'est passé à petit feu jusqu'à ce que vous avouiez, que vous renonciez à votre foi. Et là, vous avez une chambre de torture, un petit peu partout dans la chambre, il y en a différents qui sont étranglés, chaudés, épinglés, en tout cas, tout un tas de choses absolument affreuses. Vous avez entendu parler de la nuit de la Saint-Barthélemy? Oui. En août 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy, qu'est-ce qui s'est passé, vous en souvenez? 3000 protestants qui sont éventrés, défenestrés et jetés dans la Seine. 3000 protestants, une seule nuit. Et qui était derrière ça? L'ordre des Jésuites. Il est dit que la Seine, cette nuit-là, a coulé rouge, tellement il y a eu de cadavres. Alors, un élément qui m'a beaucoup intrigué, la première fois que j'ai vu ça, dans une présentation d'un homme qui s'appelle Walter Weiss, Walter G. Weiss. Si vous avez l'occasion, je vous invite à regarder ces présentations qui sont disponibles sur Internet. La première fois que j'ai vu ce serment-là, un élément qui m'a intrigué, c'est le fait qu'il ait dit que les Jésuites travaillent de deux côtés, d'un bord et de l'autre, et qu'ils apparaissent comme étant ouvertement opposés les uns aux autres. C'est assez étrange. Ce mode d'action, cette façon d'agir, c'est ce qu'on appelle, vient en fait d'un, a été formalisé, si on veut, par un grand penseur qu'on appelle Hegel. Vous avez déjà entendu parler de Friedrich Hegel? Oui, un grand penseur allemand. Et ce qu'il a enseigné, en fait, tout simplement, c'est que si on veut avoir le plein pouvoir sur un individu, il faut contrôler les deux mouvements de pensée auxquels il est soumis, la thèse et l'antithèse. Donc le mouvement mainstream, classique, accepté par tous, doit être contrôlé par l'entité qui veut le pouvoir. Mais l'entité qui veut le pouvoir doit aussi créer un mouvement d'opposition. De sorte à ce que s'il y a quelques brebis noires qui se rebellent, elles soient toujours dirigées en réalité. Vous suivez la chose? Montrez un petit schéma. Donc le pouvoir, l'individu, et pour avoir le pouvoir sur l'individu, il faut à la fois contrôler la thèse et l'antithèse. Je donne deux exemples concrets. L'ordre des Jésuites est à l'origine de deux mouvements de pensée, au niveau politique, répandu aujourd'hui dans le monde entier, le capitalisme libéral et le communisme. Est-ce que ces deux mouvements de pensée sont identiques ou sont opposés? Totalement opposés, a priori. Et pourtant, les deux entités ont été créées par la même entité. C'est l'ordre des Jésuites qui est derrière ces deux mouvements de pensée, ces deux systèmes politiques. Un autre exemple. Vous connaissez le Ku Klux Klan? Ouais, Ku Klux Klan, c'était quoi? Raciste vis-à-vis des Noirs. Donc c'était, le Ku Klux Klan était composé de WASP, White Anglo-Saxon Protestant, des protestants blancs américains, qui avaient une haine vis-à-vis des Noirs fraîchement émancipés. Le Ku Klux Klan est à l'origine de lynchages et de différentes abominations qui ont pu être faites contre la population noire en Amérique du Nord au début du XXe siècle. Il faut savoir que dans les années 20, par exemple, il y a 1 million d'hommes et de femmes qui ont marché sur Washington derrière le président des États-Unis et tous marché avec les cagoules du Ku Klux Klan, le président des États-Unis d'Amérique à leur tête. Donc c'est une société qui a eu beaucoup, beaucoup de pouvoir en Amérique du Nord. Et de l'autre côté, on a une autre secte qu'on appelle la Nation of Islam. Vous connaissez la Nation of Islam, un peu moins? La Nation of Islam, c'est une secte qui est composé d'hommes noirs, d'hommes et de femmes noires, et qui est raciste vis-à-vis des blancs, qui a une sainte haine des blancs. Dans la Nation of Islam, ce qu'on enseigne, c'est que l'homme blanc est un diable aux yeux bleus, et que bientôt, Dieu reviendra et qu'il mettra tous les blancs en enfer. C'est ce qui est enseigné dans la Nation of Islam. Mais que pour les gentils blancs, ils auront 1000 ans de plus à vivre avant d'être jetés aussi en enfer.
Donc c'est vraiment abominable, totalement raciste et xénophobe comme pensée. Ces deux sectes-là, la Nation of Islam et le Ku Klux Klan, ont été créés par la même entité, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Et derrière la franc-maçonnerie, on le verra demain, les jésuites, et derrière les jésuites, le Vatican. Donc voyez un petit peu l'idée de thèse-antithèse. Théodore Grazinger, dans l'histoire complète des jésuites, nous dit ceci. L'épouvantable responsabilité de cette terrible guerre de 30 ans doit reposer sur l'empereur Ferdinand II et ses enseignants, ses maîtres et amis intimes, les fils de Loyola. Donc la guerre de 30 ans, qui de façon assez simple était une guerre qui a pris naissance due à une dissension qu'il y avait entre les protestants et les catholiques en Europe, et qui a causé un grand nombre de morts, et c'est d'elle dont Voltaire parle. Ce sont les pires des catholiques, les inquisiteurs, les jésuites. Ils sont simplement l'armée romaine catholique pour la souveraineté mondiale dans le futur, avec le pontife de Rome pour empereur. Voilà leur idéal. Donc, si on résume, les jésuites ont en réalité deux objectifs. Leur premier objectif, c'est la destruction du mouvement de protestantisme, la réforme. Et quel est leur deuxième objectif qu'on vient juste de lire ? Faire régner le pape. La création d'un nouvel ordre mondial. Vous entendez parler à la radio, à la télé, des fois, du nouvel ordre mondial ? C'est ça. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. Le nouvel ordre mondial, ce n'est pas des États qui se réunissent pour essayer de mettre la paix ou quoi que ce soit. Le nouvel ordre mondial, c'est essayer d'avoir un seul monde, un système intégré, qui soit dirigé par un individu, le pontife de Rome. C'est déjà en place présentement de façon cachée, et ça arrive bientôt de manière révélée. Et c'est ce que la Bible a prédit depuis déjà plus de 2000 ans. Voilà ce que disait en 1720 Michelangelo Tamburini, qui était le général des jésuites, au duc de Brancos, dans une correspondance qu'ils avaient. Voilà ce que disait le général des jésuites de l'époque. « See my lord, regarde mon seigneur. From this room, depuis cette chambre, I govern not only Paris, je ne gouverne pas simplement Paris, but China, mais aussi la Chine. Not only China, pas seulement la Chine, but the whole world, mais le monde entier. » Without anyone knowing how this manage, sans que personne ne sache comment tout ceci est contrôlé. Donc que clame le général des jésuites au XVIIIe siècle? De contrôler le monde entier, d'avoir le monde entier sous sa direction. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est encore le cas aujourd'hui. Quand Saint Ignatius mourut en 1556, l'ordre dont il fut le premier général avait dépassé les frontières de l'Europe et pénétré en Asie, en Afrique et en Amérique. Ils composaient 1000 membres. Du fait de leur grande compétence dans l'établissement d'universités et leur habileté en tant qu'enseignants, les jésuites ont rapidement eu un monopole virtuel de l'éducation dans beaucoup de pays. Dans leur objectif d'atteindre la multitude, ils ont habituellement travaillé du haut vers le bas. Leur constitution monarchique et les origines aristocratiques de beaucoup de leurs membres les ont reliés dès le début aux classes dirigeantes. Et comme confesseurs et conseillers des princes, des rois et des reines, ils se sont retrouvés impliqués dans la politique. Le fait qu'ils fussent derrière telle ou telle révolution ou conspiration fournira aux historiens des discussions pour toujours. Ce qui est important, c'est qu'une grande partie du public a peu à peu commencé à voir derrière cette impression d'influence mondiale que donnaient les jésuites un sinistre dessein, une course secrète pour le pouvoir. Donc ce qu'on voit ici, c'est que d'après ce qui nous est dit, les jésuites dirigent le monde depuis déjà quelques temps. Et comme les chevaliers templiers pratiquaient des choses absolument abominables, il en est de même pour les jésuites. Je vous propose trois textes ici. Un premier texte est un texte de Voltaire, Anecdote sur Fréron en 1761. Je me souviens d'avoir entendu dire à Fréron au café de Viseux, rue Mazarine, en présence de 4 ou 5 personnes après un dîner où il avait beaucoup bu, qu'étant jésuite, il avait été l'agent et le patient. Il est question là de la même chose dont on parlait pour les chevaliers templiers tout à l'heure, à savoir des pratiques homosexuelles chez les jésuites. Dans Revue du traditionnisme français et étranger, octobre-novembre 1909, la plaie des collèges de jésuites, ce sont les amitiés particulières, c'est un ancien terme pour désigner l'homosexualité, du moins en Belgique. On viendra bien plutôt mettre juré à ces dévoiements abominables qu'à l'étude et imitation de Jésus-Christ, nous dit Antoine Fusy, qui était jésuite et qui est devenu pasteur par la suite. Donc, de la même façon que chez les chevaliers templiers, tout un tas de choses étaient abominables, étaient pratiquées par ces hommes au service du diable. De la même façon, chez les jésuites, tout un tas de choses abominables sont pratiquées entre eux. Donc, on a fini de parler des jésuites et de la puissance du Vatican. Je vous propose maintenant d'aborder le thème des Illuminati, de savoir qui sont les Illuminati. Alors, qui a déjà entendu parler des Illuminati ? Ok.
Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux Illuminati? Qu'est-ce que tu as entendu dire sur eux? Pas toi. Ok. Ok. Et puis ils viennent d'où les Illuminati? De partout? Et c'est cette secte-là, elle a été créée par qui? Par? Par qui? Par Jay-Z. Ok, donc on va jeter un coup d'œil, on va essayer de voir qu'est-ce que sont les Illuminati concrètement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur eux, au niveau du cinéma, à la télévision quelquefois, ou même sur Internet. Et la majorité des choses qui se disent sur les Illuminati sont complètement erronées, que ce soit par rapport à leur origine ou leur raison d'être. Alors voilà un symbole par lequel on les représente souvent. Ce symbole-là, c'est l'Ujjat, l'œil gauche d'Horus, qui représente le savoir, la lumière, le fait d'être illuminé, et qui est présent notamment sur les billets de 1 dollar américain. Okay. Alors on va parler de la naissance des illuminés modernes et du communisme. Alors dans le dictionnaire d'ascétisme de Jean-Claude Guénet, toujours, on lit ceci. Les mêmes circonstances amenèrent les jésuites en Bavière. Le J combattit d'abord le protestantisme, puis on confia à Ingolstadt l'enseignement de la théologie aux jésuites. Donc en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, va être créé un collège de jésuites, dans lequel quelques années plus tard vont prendre naissance les illuminés modernes, la première confrérie Illuminati. Lady Queensborough nous dit ceci, la secte des Illuminati de Bavière a été fondée le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt, un professeur de l'université d'Ingolstadt, enseigné par des jésuites. Et si je continue, donc Adam Weishaupt, c'est l'homme que vous voyez ici. Donc Adam Weishaupt, en compagnie du général des jésuites de l'époque, qui était le général Ritchie, va créer une confrérie. Vous connaissez les confréries étudiantes qu'il y a aux États-Unis en Amérique du Nord? Les filles Beta Kappa, tous ces machins-là. Ok. Donc les Illuminati, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une confrérie étudiante. Une confrérie étudiante dans laquelle vous ne pouvez pas choisir de rentrer, vous êtes choisi pour y rentrer, donc vous êtes coopté. On vous choisit pour rentrer dedans. Et dans cette confrérie étudiante, on trouve des fils, il n'y a pas de femmes, simplement des hommes, on trouve les fils des principales familles fortunées qui pouvaient y avoir à l'époque en Europe et aujourd'hui dans le reste du monde. Donc les Illuminati vont être créés sur le campus de l'université d'Ingolstadt. Et voilà ce que nous apprend l'abbé Baruel par rapport à Adam Weishaupt que vous voyez ici. Alors l'abbé Baruel a écrit un livre qui s'intitule « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme », un livre qui date du XVIIIe siècle. Et voilà ce qu'on apprend dedans. Leur haine pour Dieu, c'est de l'ancien français, hein, leur haine pour Dieu et leur pur athéisme. Les uns les conduisaient à la nullité, le conduisaient à la nullité de toute loi politique et civile, les autres à la nullité de toute loi religieuse. De ces deux systèmes, il forma un monstrueux ensemble dont le résultat fut le vœu le plus ardent, le plus absolu, le plus frénétique pour l'abolition générale et sans exception de toute religion, de tout gouvernement, de toute propriété. Il crut voir dans le lointain au moins la possibilité d'inspirer à tout le genre humain le même vœu. Il se flatta de le voir s'accomplir. Avec les ressources d'un sophiste vulgaire, cet espoir pouvoir n'être que celui du délire avec une tête comme celle de Weishaupt. Donc là, l'abbé Baruel, en fait, nous parle d'Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati, et nous dit qu'Adam Weishaupt avait imaginé un système de pensée, dans lequel il n'y a ni religion, ni loi politique, ni loi civile, ni aucune forme de propriété. L'abandon, en fait, de toute forme de propriété, l'abandon de la religion. À quoi est-ce que ça ressemble au niveau politique, ce système? Pas de propriété, pas de religion? Le communisme. Adam Weishaupt est le père du communisme. Ce n'est pas Karl Marx, c'est Adam Weishaupt. Et Karl Marx, disciple si on veut. Adam Weishaupt, c'est vraiment cette personne-là qui est le premier à imaginer ce système-là, qui va être créé en opposition, en antagonisme à un autre système que les Illuminati vont développer énormément, qui est le capitalisme qu'on connaît aujourd'hui, avec les grandes banques et les grandes familles qui existent au niveau des banques internationales et de la finance internationale. Donc ces deux systèmes, le capitalisme moderne et le communisme, qui durant une vingtaine d'années, trentaine d'années pendant la guerre froide, étaient mis en opposition par les médias, étaient en réalité dirigés par la même entité, à savoir
les Illuminati et derrière les Jésuites. Eric Phelps, dans Vatican Assassin, nous dit donc, durant la suppression de l'ordre des Jésuites de 1773 à 1814 par le pape Clément XIV, le général Ricci créa les Illuminati avec son soldat Adam Weishaupt, le père du communisme moderne, qui avec ses Jacobins conduisit la Révolution française. Ce qu'on vous avait appris en cours d'histoire, c'est que ce sont les Jacobins qui ont dirigé la Révolution française, c'est ça? Mais on vous a pas dit qui est-ce qui finançait les Jacobins. Parce que faire une révolution, ça demande de l'argent. Quand présentement, on vous dit qu'en du côté de la Libye et puis de je ne sais pas quel autre pays, au Maghreb, des peuples sont en train de se révolter, mais personne ne vous dit d'où viennent les fonds. Personne ne vous dit qui est derrière ces révoltes-là. On vous dit que c'est le peuple. C'est faux. Ici, vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous savez, dans la Bible, on constate souvent que Dieu fait quelque chose et Satan va toujours faire une contre. Façon. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça, par exemple? La contrefaçon des 10 commandements. La contrefaçon des 10 commandements. Dieu a donné sa loi, le Vatican donne sa loi. Satan donne sa loi. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et vous voyez, tout en haut, on le voit mal ici, mais tout en haut, sur la DDHC, donc, qui est présente dans toutes les mairies en France, vous avez ici le symbole des Illuminati qui est représenté. Okay, on le voit mal, là, malheureusement, mais le triangle avec l'œil au milieu dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, le Vatican a créé l'ordre des Jésuites. Quel siècle à peu près, la création de l'ordre des Jésuites? 16e siècle. Et un peu plus tard, les Jésuites vont créer les Illuminati à la fin du 18e siècle. Et les Illuminati, nous allons le voir, dirigent le monde. Des années plus tard, le général Ledokhovski, avec ses bolcheviks, conduisit la révolution russe en 1917. Elle fut identique au bouleversement de 1789. Donc pour vous montrer un schéma ici, à partir de 1750 jusqu'en 1850, il va y avoir une marée de révolutions un peu partout en Europe, et toutes ces révolutions ont été orchestrées par les jésuites par le biais des Illuminati, toutes. En commençant par la Révolution française, les révolutions espagnoles, polonaises, allemandes, italiennes, et quelques années plus tard, la Révolution russe. Et en 1773, pendant à peu près une quinzaine d'années, l'ordre des Jésuites va être supprimé, mis de côté par le Vatican, va travailler en coulisses, et c'est à cette période-là que la Révolution américaine, exactement au même moment que la Révolution américaine, va prendre place. Et, nous le verrons demain, les États-Unis d'Amérique vont être fondés par la franc-maçonnerie, qui est aussi un organe de l'ordre des Jésuites. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à regarder une présentation de Walter G. Weiss, qui est un PhD, c'est un conférencier adventiste, qui a fait notamment une présentation qui s'intitule « Revolutions, Tyrants and Wars », qui sont disponibles sur YouTube avec une soixantaine d'autres présentations très intéressantes sur le sujet. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui de rentrer davantage dans le détail là-dedans. Ce que je souhaite aborder avec vous, ce sont les cultures modernes, particulièrement les cultures qui viennent du monde afro-américain et qui vous touchent, vous aujourd'hui ici énormément, qui êtes une communauté antillaise. William James Geaker, dans un livre intitulé « Paul in the Game », nous parle des Illuminati. Et voilà ce qu'il nous dit à propos des Illuminati. Juste avant de rentrer dedans, sachez que William Geaker a travaillé pour les services secrets au Canada. Il a eu un haut rang au niveau de l'armée canadienne. Et alors qu'il est en train de servir, il a découvert à la British Museum Library en 1946 une lettre qui date du 15 août 1871. Donc en 1946, durant la Seconde Guerre mondiale, il découvre dans une librairie en Angleterre une lettre qui date de 1871. Et cette lettre-là est une correspondance entre Albert Pike, qui est un des francs-maçons les plus puissants d'Amérique du Nord et un Illuminati, et Manzini, un des francs-maçons les plus puissants d'Italie et d'Europe au XIXe siècle. Et dans cette correspondance, qui date de 1871, voilà ce dont ces deux hommes-là se parlent. Ils échangent sur le fait qu'il y aurait une première guerre mondiale, et que la première guerre mondiale qui aura lieu, donc c'est en 1871, la première guerre mondiale va arriver combien d'années plus tard? À peu près 40-50 ans plus tard, quarantaine d'années plus tard. Donc 40 ans avant la première guerre mondiale, ces deux hommes-là échangent sur le fait qu'il y a une première guerre mondiale qui arrivera, et que cette première guerre mondiale-là aura pour but de renverser le pouvoir des tsars, protecteur de l'église orthodoxe, et mettre en place un état communiste et athée. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Complètement. Toujours en 1871, ces deux hommes-là qui sont en train d'échanger dans leur correspondance se parlent du fait qu'il y aura aussi une seconde guerre mondiale qu'ils planifient, et que cette seconde guerre mondiale
aura pour but de renforcer le communisme comme l'antithèse de la culture judéo-chrétienne et de mettre en place un État sioniste en Israël. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Exactement ce qui est arrivé. Donc, pour vous remettre dans les faits, William Guicker découvre cette lettre en 1946. Donc on peut dire, il a tout inventé. Pour ma part, je lui donne du crédit parce que c'est un homme qui était dans les services secrets, qui a travaillé pour l'armée, qui avait un grand statut dans l'armée canadienne. Donc c'est un homme qui est crédible. Mais on peut mettre en doute, et beaucoup mettent en doute sa parole et ce qu'il a rapporté. Mais dans ce livre-là, William Guicker ne parle pas simplement de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Dans leur échange, Pike et Manzini parlent aussi d'une Troisième Guerre mondiale. Et voilà ce qu'ils disent par rapport à cette Troisième Guerre mondiale, qu'elle prendra naissance d'un conflit au Moyen-Orient entre judaïsme et islam pour s'étendre au monde entier. Est-ce que la Troisième mondiale est déjà arrivée ? Non, pas encore. Est-ce qu'elle se profile à l'horizon ? Et est-ce que ce que vous voyez se profiler ressemble un petit peu à partir d'une poudrière qui serait située du côté d'Israël ? Complètement. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça a commencé avec le conflit judéo-palestinien, et là on est en train de s'élargir au niveau de tout le Maghreb avec les révolutions qu'il y a présentement, et peu à peu cette chose-là va prendre de l'essor. Alors aujourd'hui, la première confrérie illuminatique qui avait été créée à Ingolstadt, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, n'existe plus. Mais cette confrérie illuminatique qui avait été créée en Allemagne s'est développée un petit peu partout et a créé des branches un peu partout dans le monde. Notamment en Amérique du Nord, sur le campus d'une des universités de l'Ivy League, qui est l'une des universités les plus prestigieuses au monde, qui est l'université de Yale, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Sur le campus de cette université, il y a une confrérie qu'on appelle le Skull and Bones. Avez-vous déjà entendu parler du Skull and Bones ? Ouais ? Ok. Alors, vous voyez ici, ça c'est l'une des représentations des Skull and Bones, avec le nombre ici 322, 322, 322. Et si on va dans Genèse 3, verset 22, par exemple, il est dit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Donc, axé sur le fait que l'homme est devenu un Dieu. La divinité de l'être humain est toujours à la base des enseignements de Satan. Ici, vous avez les locaux des Skull and Bones à la Yale University. Ce local-là s'appelle la tombe, en anglais de tombe. Et c'est là-dedans, en fait, que sont pratiqués tous les rites des Skull and Bones. Donc, les Skull and Bones, en fait, c'est quoi ? Ce sont des jeunes étudiants qui ont dans la vingtaine et qui rentrent à la Yale University pour faire des études de droit, pour faire des études de tout un tas de choses différentes. Et ce sont des jeunes hommes qui viennent des familles les plus riches en Amérique du Nord, que ce soit les Bush, que ce soit les Kellogg's, beaucoup d'autres encore, les Rockefeller. Chaque année, 13 nouveaux membres sont amenés dans cette confrérie-là. Donc 13 jeunes hommes dans la vingtaine qui commencent leur licence, bachelor en anglais, sont amenés dans cette confrérie-là et sont initiés dans des rites assez particuliers dont on va parler. Voilà ce que nous dit Anthony Cyril Sutton, qui est mort en 2002 et qui a été notamment enseignant à UCLA, qui est une des plus grandes universités dans le monde, qui a étudié à Göttingen et UCLA et qui avait un doctorat en sciences de l'université de Southampton en Angleterre. Donc Sutton a enquêté sur les Skull and Bones et voilà ce qu'il rapporte dans un livre intitulé America's Secret Establishment. Ceux de l'intérieur le connaissent comme The Order. Les autres le connaissent depuis plus de 150 ans comme le chapitre 322, chapter 322, d'une société secrète allemande. Plus formelle pour des raisons légales, The Order fut incorporé comme The Russell Trust en 1856. Il était aussi connu comme la confrérie de la mort. Ceux qui ont mis la lumière dessus s'amusent à son propos, l'appellent Skull and Bones, ou juste Bones. La branche américaine de cet ordre allemand fut fondée en 1833 à la Yale University par le général William Huntington Russell et Alfonso Taft, qui en 1876 devint secrétaire de la guerre dans l'administration Grant. Alfonso Taft fut le père de William Howard Taft, le seul à avoir été à la fois président et chef de la justice des États-Unis. Donc ce sont des hommes de pouvoir. La question maintenant est de savoir qu'est-ce qu'ils font de ce pouvoir et quelle est leur pensée, ce en quoi ils croient. Et voilà ce que nous dit Sutton en continuant. Le rituel de l'ordre est un secret très bien gardé. Le plus que l'on puisse faire à ce stade est de mettre ensemble différents éléments du rituel et leur signification probable. L'extraordinaire secret lui-même est une partie du rituel. Les membres prêtent serment de ne pas parler de l'organisation, ses procédures ou ses objectifs. Chaque année, 15 nouvelles recrues sont soumises à ce qui a été décrit comme une horrible épreuve, d'après Rosenbaum, un autre
notre personnage qui a étudié les Skull and Bones. Et voilà ce qu'il est dit. On peut entendre des cris étranges et des gémissements venant des entrailles de la tombe durant l'initiation. Quatre éléments de la cérémonie d'initiation sont connus. L'initié doit mentir nu dans un sarcophage. Il doit dévoiler aux autres initiés les secrets de sa vie sexuelle. Les patriarches sont vêtus comme des squelettes, agissant comme des lunatiques. Ils observent sauvagement les nouveaux initiés en leur criant et hurlant dessus. Les initiés doivent se battre nus dans la boue. Assurément, il y en a plus à savoir. Mais derrière ce rituel se trouvent des aspects notablement sataniques. Des aspects notablement sataniques. Et l'homme qui écrit ce livre-là n'est pas chrétien. Donc des aspects notablement sataniques derrière ce rituel. Alors il y a le Skull and Bones qui est à l'université de Yale aux États-Unis. Il y a sur le campus de la Oxford University en Angleterre le GOOP. Et puis ailleurs dans le monde, il doit y avoir certainement d'autres branches des Illuminati que je ne connais pas personnellement. Alors voici quelques membres des Illuminati, des Skull and Bones, à travers le temps. Alors on a Walter Camp, qui est le fondateur du football américain. Percy Rockefeller, qui était le fondateur de la Standard Oil Company. Aujourd'hui, c'est ExxonMobil, l'une des plus grosses capitalisations boursières au monde avec Apple. Il y a Harold Stanley, le fondateur de JP Morgan. Archibald MacLeish, co-créateur de l'UNESCO. Prescott Bush, qui était le père de George Bush et le grand-père de George W. Bush. Et ses deux fils aussi sont membres des Skull and Bones. John Rockefeller Prentice, le petit-fils de John D. Rockefeller, le pionnier en insémination artificielle. George W. Bush, dont je parlais tout à l'heure. Frederick Smith, qui est le fondateur de FedEx. John Kerry. Donc vous vous souvenez, aux élections de 2004, vous aviez John Kerry contre George Bush. Donc l'un pour les démocrates et l'autre pour les républicains. Et les deux, en réalité, font partie de la même confrérie. Thèse, antithèse, toujours ce... Vous votez pour l'un ou pour l'autre, ça revient au même au final. Voter pour Sarkozy ou François Hollande, c'est la même chose. Vous avez juste dépensé de l'essence inutilement pour vous rendre au bureau de vote. C'est tout. Austin Goolsbee, qui est... je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque où j'ai construit ce séminaire-là en 2008, Austin Goolsbee était... membre du bureau de Barack Obama, était conseiller économiste de Barack Obama. Et puis on a pas mal d'autres ici, vous avez d'autres noms de Skull and Bones qui sont impliqués dans le monde plus spirituel, dans les églises et les mouvements spirituels en Amérique du Nord. Alors je vais vous montrer un extrait de l'émission Meet the Press, présentée par le journaliste Tim Russert. Dans cette émission-là, qui a été filmée à peu près aux alentours de 2004, là, juste avant les élections, George Bush est interviewé par Tim Russert, et George Bush va demander à Tim Russert, Tim Russert va demander à George Bush s'il appartient au Skull and Bones et ce qu'il en est de son appartenance au Skull and Bones. Alors c'est en anglais, c'est court, puis je traduirai par la suite pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ok? You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. I don't even think. Okay. Là, Tim Russert interview George Bush. Et lui dit ceci. Vous êtes tous les deux membres de Skull and Bones, en parlant de lui et Kerry. Et il lui pose la question, what does it mean for America? Qu'est-ce que cela signifie pour les Américains? Et George Bush lui dit, ça ne signifie rien d'autre que le fait que c'est un secret. Donc il ne dément pas, il dit simplement, ça ne signifie rien d'autre, c'est un secret. Puis il ne rentre pas davantage dans le détail. Et là, Tim Russert renchérit, il lui dit, nombre 322, un code, après il dit quoi, un complot, etc. Et, tout. Et puis George Bush dit, je ne sais pas tout ce qui se dit sur Internet à ce propos de ça. Et ils finissent la conversation là-dessus. Okay. George Bush, dans sa biographie intitulée « Avec l'aide de Dieu », avoue être membre des Skull and Bones, dit en page 76, « La dernière année de mes études à Yale, je suis devenu membre du Skull and Bones, une société secrète, si secrète en vérité que je ne peux en dire davantage, je m'y suis fait 14 nouveaux amis. » Ça, c'est la cohorte de George W. Bush. Il est juste... Il est ici. C'est lui-là. George W. Bush. Et ici, vous voyez ce qu'il y a ici, là ? Ça, c'est un vrai crâne. C'est un vrai crâne. C'est le crâne, en fait, les Skull and Bones aimaient à raconter que c'était le crâne de Geronimo. Geronimo, qui est le dernier Indien révolutionnaire qui avait été abattu aux États-Unis. C'est lui, Geronimo. Et donc, ils utilisaient le crâne de cet homme-là et les os de cet homme-là pour leur cérémonie. C'est très macabre. On ne parle pas du crâne d'un chien, là, c'est un crâne d'homme.
Et là, vous avez John Kerry qui est interviewé toujours par Tim Russert dans la même émission Meet the Press sur MSNBC. Écoutez les questions que va poser Tim Russert à John Kerry. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. And we'll be watching. Be safe on the campaign trail. John Kerry, thanks for joining us. And we'll be right back. Là, encore une fois, la même question qui est posée. Vous êtes tous les deux membres des Skull and Bones, la société secrète. Qu'est-ce que ça signifie pour les États-Unis? Rien de plus que c'est un secret. Et il passe à autre chose. OK? Et pour vous montrer que concrètement, et c'est ça qui était important à réaliser, c'est que tout ce que vous voyez à la télévision, de façon générale, dans les émissions de télévision stupides qui passent, toutes les séries télé et les talk shows, toutes ces choses-là ne servent à rien. Mais même le journal télévisé, tout ce qui vous est raconté au journal est simplement là pour vous divertir et vous éloigner de l'essentiel. C'est une pièce de théâtre. Le système politique dans le monde est une pièce de théâtre qui est là pour vous faire perdre votre temps, vous amener à être partisan de causes qui sont fausses, erronées. Imaginez pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, tous les hommes et les femmes qui sont engagés ou à défendre le communisme ou à défendre le libéralisme. Et chacun pensait être dans son libre arbitre, avoir fait le bon choix, alors qu'en réalité, des deux bords, c'était des moutons. Des deux bords, c'était des moutons. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous perdez votre temps en vous informant à propos de tout ce qui se passe présentement dans le monde et qui vous est présenté à la télévision. Tout est présenté de façon mensongère, est une perte de temps, là pour vous faire perdre votre temps concrètement. On va regarder une autre vidéo. C'est lors du passage de John Kerry dans une université américaine, peu après les élections de 2004. Vous vous souvenez que John Kerry avait abandonné les élections alors qu'il était censé les avoir remportées. Et un étudiant va justement lui poser la question, savoir pour quelle raison est-ce qu'il a abandonné. Est-ce que c'est parce que lui et George Bush sont tous les deux membres des Skull and Bones, sa société secrète? Regardez quelle va être la réaction et ce qu'on va faire à ce jeune homme qui pose cette question-là, qui ose poser cette question à Kerry. Senator John Kerry spoke to a group of college students at the University of Florida today. One of those students got up and asked Kerry, among other things, why, if there really was such widespread voter fraud and voter suppression, had he conceded the 2004 presidential election to George Bush so easily? As the student became more and more worked up, and as Kerry tried to answer his many questions, the police moved in. Watch this. Were you a member of Skull and Bones in college and Bush? Were you in the same secret society? Well, that's right. Let me answer his question. Excuse me, what are you writing? Okay, pretty ugly scene there, Tucker, but it gets worse. The University of Florida police officers warned that student at that moment that if he didn't stop resisting, he would be tased, as in tasered. If you listen closely here for the sound of a taser gun, you'll hear that they were not bluffing. Listen. I didn't do anything! Don't tase me, bro! Don't tase me! So he got tased for asking John Kerry a strange question about the 2004 presidential election. You do the math on that one. And all those tough... Okay. Donc là, vous voyez, ce jeune homme, pour avoir posé cette question-là, s'est fait taser. La réaction a été assez violente. Là. Alors, quand on parle des Illuminati, quand on parle du travail des Jésuites et du Vatican, ça ressemble un petit peu de la science-fiction et ça a l'air assez éloigné. On disait tout à l'heure que l'un des noms que se donnent les membres des Skull and Bones, c'est la confrérie de la mort, the Death Brotherhood, la confrérie de la mort. Concrètement, le travail des Skull and Bones, du Vatican, des Jésuites, c'est ça.
La Seconde Guerre mondiale, ce sont les Skull and Bones qui étaient derrière. Comme la Première Guerre mondiale. Les millions de Juifs qui ont été assassinés, 6 millions d'hommes et de femmes assassinés comme des bêtes dans les camps de concentration, c'est les Jésuites et le Vatican qui étaient derrière, à travers les Skull and Bones. Le père de George Bush qui finançait tout ceci, Prescott Bush, qui était le banquier des nazis. Et pour quelle raison est-ce qu'il y a eu ce déferlement de haine sur le peuple juif? La parole de Dieu, la Bible, déclare que Dieu ne se repent pas des bénédictions qu'il donne aux hommes. Et Dieu a béni le peuple juif à travers Abraham. Et la Bible déclare par la bouche de Paul que viendra un moment où Dieu relèvera son peuple qui s'est éloigné de lui. La Bible dit que quiconque bénit Israël sera béni et quiconque maudit Israël sera maudit. Satan est le chef de ce monde et il a en abomination tout ce qui est plaisant et ce qui plaît à Dieu. Le fait que durant la Seconde Guerre mondiale, un peuple, le peuple juif, ait été assassiné comme on assassine un troupeau de bêtes, est un témoignage vivant que le Dieu que nous servons est vrai. Parce que si ça n'était pas le cas, pourquoi est-ce que des hommes et des femmes se ligueraient contre un peuple sans rien avoir à y gagner sur le plan simplement financier? Si vous prenez la traite négrière, il y avait un gain financier concret. Vous prenez des nègres, vous les amenez dans la Caraïbe, vous les faites travailler, vous ramenez du coton, vous ramenez de la canne à sucre, vous vendez ça, vous faites de l'argent. Prenez un juif, amenez-le au camp de concentration et tuez-le. Quel argent vous faites? C'est une perte nette. Il n'y a aucun gain sur le plan capital. La raison de la Seconde Guerre mondiale et du génocide qui a eu lieu se trouve sur le plan spirituel. De la même façon qu'à la naissance du Christ, le roi de l'époque, Hérode, a décimé toute la cohorte de Jésus parce qu'il savait que le Messie était pour s'en venir, de la même façon qu'à la naissance de Moïse, tous les jeunes hommes avaient été décimés parce que l'ennemi, Satan, savait qu'un libérateur était pour venir. De la même façon, Dieu ayant prédit qu'à la fin des temps, le peuple qu'il avait élu, le peuple juif, reviendrait à lui en grand nombre, Satan a prié les devants et a essayé de détruire ce peuple-là pour que la prophétie de Dieu ne se réalise pas. Et ce qui se passe aujourd'hui en Irak, au Maghreb et dans les autres parties du monde, les guerres qu'il peut y avoir sont faites par les mêmes hommes, les mêmes sociétés secrètes qui sont derrière. Donc on parle de choses qui sont très concrètes, très concrètes. Mais l'action de ces hommes-là et de ces femmes, l'action des Illuminati ne se résume pas aux guerres qui sont faites dans le monde. Leur action se retrouve essentiellement dans les modes de penser, d'agir, de choisir et de faire qu'ils arrivent à vous inculquer à chaque jour. Vous êtes, en tant qu'Occidentaux, dans vos façons de penser, d'agir, les priorités que vous avez eues dans vos vies, vous êtes le fruit de leur œuvre. Vous êtes le fruit de leur œuvre, pour beaucoup. À travers toutes les cultures qu'ils ont créées pour essayer de vous éloigner de Dieu et de ce qu'est réellement le christianisme, un renoncement total. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans d'autres présentations. Est-ce que la partie sur les Illuminati, là, qu'on vient de faire, était assez pertinente? Ouais. On va parler maintenant des cultes sataniques et des hommes de pouvoir dans le Bohemian Club. C'est la dernière partie du premier point. Donc le Bohemian Club. Le Bohemian Club, en fait, c'est un club de... Vous connaissez les clubs de fumeurs de cigares? Ouais, donc c'est des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui se réunissent ensemble pour fumer le cigare. Le Bohemian Club, c'est un peu un club comme ça, qui est à San Francisco. Et c'est un club, en fait, qui est dirigé par les Skull and Bones. Chaque année, ce club-là organise une sorte de grand party, comme on dit au Québec, une grande fête dans les bois à 80 miles de San Francisco, quelque chose comme ça, où 2000 des hommes les plus puissants de la Terre se retrouvent pour célébrer ensemble. Des célébrations assez particulières, on va voir. Voilà ce que nous dit l'édition du Newsweek Magazine. Newsweek Magazine, c'est un petit peu comme, mettons, je sais pas moi, Le Point, par exemple, ou L'Express, un peu comme Le Point ou L'Express, aux États-Unis. Donc, en 1982, voilà ce que dit Newsweek Magazine. Le camp d'été le plus prestigieux au monde, la Bohemian Grove, est en ce moment en session à 75 miles au nord de l'exclusivement masculin Bohemian Club de San Francisco, auquel chaque président américain depuis Herbert Hoover a appartenu. Et le New York Times, en 86, dit ceci: « Le Bohemian Club, dont les membres incluent le président Reagan et le vice-président Bush,
Le Bohemian Club, dont les 2000 membres incluent des douzaines des leaders d'affaires et de politiques nationaux les plus influents. Alors ici, vous avez par exemple Reagan et Nixon qui sont représentés sur la photographie, là et là. Voilà une autre photographie plus ancienne qui date de 1907. C'est le camp, en fait, où chaque année, au mois de juillet, cette grande célébration organisée par le Bohemian Club et les Skull and Bones a lieu. On voit que les troncs d'arbres sont assez larges. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi, en fait, cette partie-là de la forêt. Ça ressemble beaucoup aux temples égyptiens ou aux temples grecs dans lesquels vous aviez des grands pylônes où on allait adorer les divinités païennes. Ici, c'est le grand banquet qui est organisé. Donc ça, c'est une photo de 1906. Le grand banquet qui est organisé avant une célébration qui s'appelle The Cremation of Care, qui est comme le clou de cet événement de deux semaines, le clou du spectacle. Alors, dans cet article du New York Times, qui date du 25 juin 1899, que vous pouvez récupérer sur les archives du Times sur Internet, et qui parle donc en 1899 du Bohemian Club, voilà ce dont on entend parler. La Midsummer High Jinx, donc en français grosse beuverie du milieu de l'été, est une belle cérémonie à ciel ouvert se tenant la nuit dans un amphithéâtre naturel au sein de la plantation. Les membres y présentent quelques pièces spectaculaires dans lesquelles plusieurs centaines d'interprètes prennent place. La performance la plus remarquée du genre eut lieu en 1893, The Cremation of Care. Des prêtres druides, qui sont des figures prééminentes du show, plus de 500 personnes figurent dans le spectacle, une lumière électrique au calcium fut utilisée pour illuminer ce tableau. Il y avait un orchestre symphonique et un grand chœur. Un autel druidique et une pierre sacrificielle donnaient un air de réalisme aux scènes. Après cela, arriva une procession, chaque captif fut condamné à mort, sauf aux Gaulois. Méphisto et quelques diables se précipitèrent alors, le diable fit un discours passionné, disant que la bonne Caramadri était une moquerie, etc. Donc, dans ce rapport en fait, du New York Times, qui date de la fin du 19e siècle, ce qu'on apprend, c'est que dans cette célébration qui est organisée, il y a une genre de pièce de théâtre qui est faite. Et que dans cette pièce de théâtre-là, les personnages principaux sont des démons, des diables et des druides. Alors, pour vous, c'est quoi un druide? Quelqu'un qui fait de la soupe, c'est ça? Ouais. Ok. En réalité, les druides, c'était un petit peu différent. C'était pas tout à fait ça. Voilà quelques rapports par rapport aux druides. Voilà ce que nous rapporte Diodore de Sicile par rapport aux druides. Un homme qui a été consacré aux dieux est frappé par une épée dans une région située au-dessus du diaphragme. Ils font alors leur prédiction d'après la chute de celui-ci, qui a été frappé et qui tombe, d'après l'agitation de ses membres, mais aussi d'après la manière qu'a son sang de s'écouler, ayant foi dans cette observation divinatoire ancienne et longuement pratiquée. César nous rapporte à propos des druides. D'autres ont des représentations d'une grandeur colossale, dont les pièces faites d'osier tressé sont remplies d'hommes vivants, on met le feu à celles-ci et les hommes entourés par les flammes y périssent. Donc c'est comme des grands paniers qu'on offre en cadeau aux dieux dans lesquels on fait brûler des hommes, des vaches, du raisin, un petit peu tout ce qu'on veut, et qu'on offre aux divinités. Strabon nous dit la même chose, mais on rapporte aussi d'autres formes de sacrifices humains. Il perçait de traits les victimes et les accrochait à un poteau dans les sanctuaires. Il construisait aussi une représentation gigantesque de bois et de paille qu'il brûlait après l'avoir rempli de bétail et de bêtes sauvages ainsi que d'êtres humains. Donc une sorte de grand cadeau qui était offert aux dieux. Voilà ce qu'est un druide en réalité. Et donc dans ces pièces de théâtre que font les membres du Bohemian Club, on retrouve des druides, on retrouve des représentations de démons ou du diable. Alors là vous avez une photographie qui date de 1909. Pour ceux qui ont l'œil, le personnage principal au milieu c'est qui? Le? Qui? Est-ce que vous reconnaissez le costume? C'est le pape. Ok, c'est le pape. Le personnage principal au milieu, c'est le pape, devant lequel tous les autres sont agenouillés. Donc en fait, pour vous mettre dans le contexte, c'est au milieu d'une grande forêt, vous avez une très grande forêt avec des grands troncs d'arbres immenses, et vous avez ici une rivière qui passe, la Bohémienne. De ce côté-ci de la rivière, vous avez une sorte d'estrade naturelle, c'est celle qu'on va représenter ici, et de l'autre côté de la rivière, donc là d'où a été prise la photo, donc là où vous êtes, il y a comme l'ensemble des 2000 chefs d'État et chefs d'entreprise qui sont réunis et qui regardent donc le spectacle qui est donné. Ici, vous avez une autre photographie qui date de 1926, celle-ci. Et ici, vous voyez des hommes qui font quel salut? Le salut nazi, okay, ou le salut romain, le salut nazi. C'est en 1926, donc c'est juste au commencement de ce qui va ravager le monde, la Seconde Guerre mondiale. Ok? Et juste avant ça, donc, ces hommes de pouvoir sont en train de regarder une pièce de théâtre qui représente tout simplement ce qui va arriver quelques temps plus tard, ce qu'ils sont en train de manigancer. Ici, vous avez une photographie qui est plus récente, qui date des années 80.
Là, vous avez encore le personnage que vous voyez ici avec son chapeau, le pape, ok, une représentation du pape, ok, qui est le personnage principal. Et ils sont devant ici une pierre sacrificielle. On fait quoi sur une pierre sacrificielle? Des sacrifices de quoi? D'humains. Des sacrifices d'humains. On sacrifie des hommes sur une pierre sacrificielle. Et devant la pierre sacrificielle, on a une représentation d'un... Ça ressemble à quel animal? Un hibou. Un hibou. Pourquoi le hibou? Quelle particularité a le hibou? Il voit dans la... Il voit dans la nuit. Il voit dans la nuit. Il a l'illumination. Ok? Il a reçu la lumière. Le hibou a la lumière. Souvenez-vous que ces hommes-là sont illuminati, sont lucifériens. Lucifer, luxe, lumière, faire, porter, porteur de lumière. Lorsqu'on parle d'un homme qui s'est rapproché de Satan, on dit souvent qu'ils ont atteint la lumière. Quand on parle des francs-maçons en France, par exemple, on les appelle les frères de... Les frères de lumière. Okay? Donc ils adorent ce hibou. Le hibou qui est depuis la nuit des temps une représentation de Satan. Ici, c'est une photo de 1906. Pour ceux qui viennent des Antilles, quel genre de cérémonie est pratiquée là? C'est une cérémonie vaudou, tout simplement. Okay? Ça, c'est une photo qui date de 1906. Et puis là, vous avez des dessins avec des représentations du diable. Okay? Donc, ils sont toujours... C'est le Bohemian Club, donc durant leur célébration. Alors, par rapport au hibou, là, vous avez une représentation de la déesse babylonienne... j'ai oublié, c'est pas Isis. Comment? Je retrouverai son nom après, ok? Mais c'est, en fait, c'est la plus grande déesse de la mythologie babylonienne. Et vous voyez qu'elle est représentée aussi sous la forme d'un hibou. Ishtar. Ok, Ishtar. Ishtar qu'on appelle aussi Astarté dans la Bible. Et qui est appelé dans le Nouveau Testament à Éphésiens, Diane. Okay? Diane pour laquelle on fait des gâteaux ronds avec des bougies dessus, par exemple. Ici, les représentations qui sont faites sont les représentations des cultes qu'on voue au dieu Moloch, dont il est question dans la Bible. Vous savez, quand dans la Bible, Dieu dit à son peuple qu'il sacrifie des enfants à Moloch, donc la divinité qui est ici à laquelle on sacrifiait des enfants en bas âge. Deutéronome 12, 31, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles, les nations, servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Et ce qu'on va voir, c'est que dans les scènes théâtrales, les représentations que font aujourd'hui les Skull and Bones et les membres du Bohemian Club, c'est ni plus ni moins que les mêmes choses qui sont représentées. On va regarder une vidéo juste après. Alors cette vidéo a été filmée par un journaliste qui s'appelle Alex Jones, durant l'été 2000, il s'est infiltré dans la Bohemian Grove, dans leur plantation, là, entre guillemets, dans leur parc. Il s'est infiltré là, en passant par les bois, et a filmé ce qui se passait durant leur cérémonie. Alors, c'est en anglais, je vais essayer de traduire au fur et à mesure que la personne parle. Donc, vous allez le voir au début dans la chambre d'hôtel avec ses collaborateurs en train de planifier comment il va infiltrer le lieu. Et par la suite, à la fin, vous allez voir la célébration qui est donnée. Quand ils sont en train d'adorer ce dieu hibou et le sacrifice humain qui est fait, ou le simulacre de sacrifice. C'est assez sombre, mais à la fin, comme il y a des feux d'artifice, vous allez voir la scène s'éclairer. Est-ce que c'est possible d'éteindre la lumière, la grande lumière qui est ici, là, d'éteindre les lumières pour qu'on voit bien? Et les autres aussi, si c'est possible? Ok, c'est pas grave, on va faire comme ça. Now see, here's the shrine of their devil owl, which they even admit has its roots in like Babylon and the Druids, Adam and everything else. So all over the world, this weird owl shows up. Some cultures they've thrown children inside the bowels of this burning owl. That's historical. We've all read in the Bible about throwing your children to idols inside their, you know.
So it's weird behavior, definitely, so it needs to be investigated. Aren't they the biggest, the biggest like, living thing? Là, vous voyez, ça sont les camionnettes qui sont à l'intérieur du Bohemian Grove qui permettent aux gens de se déplacer. There's one up there that you can drive a car. Donc là, il y a une caméra cachée. On top of it, lying down? Yeah. That you can actually... Ça, c'est le banquet dont je vous montrais la photo tout à l'heure au début du siècle, qui est le même aujourd'hui. Donc la veille de la banquet. Before the cremation of Care, all the Bohemian Club members begin a massive feast of revelry. Là, après le banquet, c'est la prise de tête qui va commencer. Regardez, puis je vous expliquerai après. The owl is in his leafy temple. Donc là, vous avez la scène ici. And all within the grove. Et là, vous avez le personnage principal là, lift up your heads, O ye trees, and be ye lifted up, ye everlasting spires. For behold, here is Bohemian shrine, and holy are the pillars of this house. Donc ici est le sanctuaire des Bohémiens, et les piliers de cette maison sont saints, sacrés. Tout à l'heure, qui est ici, avec le pape représenté là, en train d'adorer le grand hibou. La pierre sacrificielle est juste devant et il y a la flamme. Donc là, ils vont procéder au sacrifice. Écoutez bien le bruit. Écoutez les cris. Vous allez voir les 2000 personnes qui sont dans les estrades. Donc là, vous avez tous les 2000 membres du club qui sont présents. Okay. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît? Dans la pièce de théâtre, ce que vous avez pu voir, c'est que la voix off, qui est l'animateur de cette pièce-là, faisait référence à Babylone, à Tyr, comme étant des villes d'une beauté éternelle. Une beauté éternelle
dit We Bar, Beauty Everlasting. Donc, ce qu'il expliquait en fait, c'est que l'exemple de Babylone et de Tyr est l'exemple qu'ils souhaitent suivre, l'exemple qu'ils adorent. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez dans la Bible, Babylone et Tyr ont quoi comme particularité? Exactement. Le roi de Babylone et le roi de Tyr sont tous les deux présentés comme des images de Satan, comme des images de Lucifer. Et ces hommes-là voient les villes de Babylone et Tyr comme des villes d'une beauté éternelle dont la beauté est à suivre absolument. Lorsque la cérémonie avance, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous l'ai montré, à un moment il abaisse une flamme et la pierre sacrificielle prend feu. Est-ce que vous avez entendu les cris? Donc un simulacre de sacrifice humain. Et à ce moment-là, qu'on fait les 2000 hommes de pouvoir qui étaient dans l'arène, est-ce qu'ils ont fait bouh ou est-ce qu'ils ont applaudi? Ils ont applaudi. Dans la pensée qui est à la racine des sacrifices humains, l'idée c'est que les dieux sont en colère. L'idée c'est que les dieux ont soif, ils ont soif de sang d'hommes, et c'est la raison pour laquelle il y a des problèmes. C'est la raison pour laquelle dans l'Antiquité, on va dire qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de pluie. C'est la raison pour laquelle les récoltes sont mauvaises. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'on assouvit la colère des dieux et qu'on leur sacrifie un être humain, tout va repartir. On va avoir des récoltes, on va avoir de la pluie. Si on a une entreprise, l'entreprise va fonctionner, toutes ces choses-là. Donc, durant le milieu de l'été, à la Midsummer High Jinx, quand ce sacrifice humain-là est opéré, ce qui serait certainement plus un simulacre qu'un vrai sacrifice, quoiqu'ils font concrètement des sacrifices humains, mais dans des groupes plus restreints, quand ce simulacre-là est opéré, tous les problèmes de l'année s'en vont avec. Tous les problèmes s'en vont avec. Les dieux ont été assouvis. Lucifer a assouvi, il a eu le sang dont il avait besoin, et désormais on est libre. Donc la raison pour laquelle il y a ces applaudissements. Et c'est quand même assez perturbant de penser que les hommes qui dirigent ce monde, les hommes les plus puissants de cette terre qui sont réunis là-bas, ce à quoi ils applaudissent, c'est au sacrifice d'hommes. Ce qu'ils adorent et ce qu'ils louent, c'est un animal qui est une représentation de Lucifer. Et ce sont eux qui prennent les décisions sur Terre présentement. Ce sont eux qui dirigent les plus grands pays et les plus grandes corporations. Ézéchiel 8, versets 9 à 13 nous dit ceci. « Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. » 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ses idoles. Chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc ça n'est pas nouveau, déjà au temps d'Ézéchiel, la Bible nous dit que les hommes de pouvoir du temps d'Ézéchiel pratiquaient des rites lucifériens et sataniques. Alors nous ne parlerons pas des chevaliers de Colomb, qui est un autre ordre catholique romain très important au niveau de la politique. Nous ne parlerons pas de l'Opus Dei, nous ne parlons pas de la commission trilatérale, du CFR, du Bilderberg Group, du Club de Rome, des Nations Unies, qui sont d'autres institutions utilisées par le Vatican pour diriger le monde et amener ce nouvel ordre mondial. Le but en fait des présentations n'est pas de rentrer dans le détail là-dessus. Le but des présentations, ce que je souhaite, c'est arriver à parler des cultures modernes parce que ce sont elles qui vous touchent, jeunes et moins jeunes, au quotidien. Ce sont par ces éléments-là que Satan, quotidiennement, a la main sur vous et arrive à vous éloigner du chemin de Christ, d'être pleinement des disciples de Christ, ayant renoncé à toute chose pour le suivre. C'est par le biais des cultures modernes que Satan a réussi à faire en sorte que les goûts que vous avez sont abominables aux yeux de Dieu et que les goûts qui plaisent à Dieu vous sont abominables. Et c'est ça que je vais arriver à vous présenter, donc on ne rentrera pas dans le détail sur tous ces éléments-là. Alors ici, on est sur la fin, il reste... Il est quelle heure? Est-ce que quelqu'un a l'heure? 18h, donc ça, il reste 5 minutes, là c'est fini. On va regarder une courte interview de George W. Bush, que je traduirai après. And making it easier for politicians like me to be able to kind of stand and defend our positions that are, I think, you know, very important positions to take. Mr. President, final question. Yes, sir. You said famously, when you looked into Vladimir Putin's eyes, you saw his soul. Yeah. When you look into Benedict XVI's eyes, what do you see? God. Good way to end the interview. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Yes, sir. Thank you.
Là, la question que pose le présentateur de EWTN, qui est un grand réseau catholique en Amérique du Nord, à George Bush, c'est, vous avez dit, et c'est fameux, c'est très connu, que lorsque vous avez regardé dans les yeux de Vladimir Poutine, vous avez vu son âme. Et là, George Bush dit, oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Et là, l'intervieweur lui pose la question, et lorsque vous regardez dans les yeux de Benoît XVI, que voyez-vous? Et là, George Bush répond, Dieu. Donc, la conclusion de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que toutes ces institutions-là, les Illuminati, dans lesquelles sont les hommes les plus puissants de cette terre, sont au service des jésuites, et derrière les jésuites, c'est le Vatican qui dirige ces choses-là. Qui dirige le monde aujourd'hui et axe toutes choses, c'est le Vatican, concrètement, pour créer un nouvel ordre mondial et détruire le mouvement de protestantisme, on le disait tout à l'heure. Et quel est le fondement du protestantisme? Sola Scriptura, le fait de prendre la Bible, l'écriture comme seule autorité. Et croyez-moi, ils ont déjà réussi en bien des choses à détruire l'essence du protestantisme. En ce que l'église chrétienne d'aujourd'hui, adventiste, baptiste, pentecôtiste, ou ce que vous voulez, est très très loin de l'enseignement des Écritures. Extrêmement loin. Donc voici les deux hommes les plus puissants sur cette terre à l'heure actuelle. Vous avez d'une part Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qui est représenté ici, qu'on appelle le pape blanc. Et à côté de lui, vous avez un homme que vous n'avez certainement jamais vu, qu'on appelle le pape noir, Adolfo Nicolas, qui est le général des jésuites. C'est lui qui dirige non seulement les confréries Illuminati, mais c'est aussi lui qui dirige la franc-maçonnerie internationale. Ça, c'est ce qu'on verra demain. Ésaïe 28, verset 18, nous parle de ces hommes et de ces femmes qui ont fait un pacte avec les ténèbres. Et voilà ce que Dieu dit de ces hommes-là. « Votre pacte avec la mort sera effacé. Votre accord avec le Sheol ne se lèvera pas. Le fléau inondant, quand il passera, vous serez piétinés par lui. » Ces hommes et ces femmes, Dieu leur promet une mort certaine. Ils n'auront pas la victoire. Il paraîtra pour un temps qu'eux. Mais au final, c'est Christ qui aura la victoire. C'est son royaume qui sera éternel. Alors la prochaine présentation est celle-ci. On verra comment, donc, on a vu aujourd'hui comment le Vatican a créé les jésuites. Et on va voir en fait qu'au bout d'un certain temps, les jésuites ayant rétabli l'inquisition vont se rendre compte que la persécution physique des protestants ne suffit pas pour leur faire abandonner leur foi dans les Écritures. Ce qu'ils vont faire, c'est que pour détruire le protestantisme, au lieu de chercher à détruire physiquement en persécutant et assassinant les protestants, ils vont chercher à détruire la chose de façon spirituelle. Parce que le protestantisme est un mouvement qui est avant tout spirituel. Et ce que vont faire les jésuites, c'est qu'ils vont créer un ordre, nous le verrons demain, la franc-maçonnerie, en Angleterre, dans un pays catholique, au début du XVIIIe siècle, et qu'au travers de la franc-maçonnerie, ils vont intégrer dans tout un tas de doctrines dans lesquelles un grand nombre de protestants d'Angleterre vont rentrer, donc vont quitter le protestantisme pour devenir franc-maçons. Et par la suite, à travers la franc-maçonnerie, le Vatican va créer la grande majorité des sectes qui sont nées dans les deux derniers siècles. Donnez-moi le nom d'une secte, par exemple. La scientologie, on verra que la scientologie a été créée par la franc-maçonnerie et donc le Vatican derrière. On verra... On parlera des témoins de Jéhovah, la tour de garde des témoins de Jéhovah. On parlera de Charles Taze Russell, le fondateur de la tour de garde des témoins de Jéhovah, franc-maçon de 33e degré. Vous connaissez les Mormons? On verra que l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours des Mormons a été fondée par un franc-maçon de 33e degré, Joseph Smith. Donc lui aussi, pour le Vatican. On parlera donc de la scientologie. On verra que le fondateur de la scientologie, Lafayette Ron Hubbard, qui a écrit le livre Dianétique extrêmement vendu dans le monde, a été formé par un pygmalion qui s'appelait Aleister Crowley, qu'Aleister Crowley était franc-maçon de 33e degré, au service du Vatican donc. On parlera du New Age, le New Age qui a donné naissance à ce qu'on appelle le post-modernisme, la pensée post-moderne, qui est aujourd'hui la plus répandue parmi la jeunesse, à savoir, je peux résumer ça ainsi, écoute, si c'est ce que tu files bon pour toi, c'est que c'est bon alors. Puis il n'y a pas de vérité. Il y a un peu de vrai dans l'islam, un peu de vrai ici, un peu de vrai là-dedans. Ça, c'est la pensée post-moderne, ok? Et cette pensée-là vient du mouvement New Age. C'est une pensée qui est totalement satanique, luciférienne. À l'origine du New Age, on verra que là encore, on a la franc-maçonnerie. On parlera de la religion la plus répandue en Occident, l'évolutionnisme. Et on verra qu'à la racine du renouveau de l'évolutionnisme, parce que c'est une pensée qui est très ancienne, qui date de l'Antiquité, mais on verra qu'à la racine de cette religion-là, puisque c'est une religion concrètement, on a là encore la franc-maçonnerie, et que c'est le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, qui est un franc-maçon puissant, qui a remis au goût du jour cette religion-là, cette doctrine en Angleterre. On parlera aussi du Ku Klux Klan. On verra que le Ku Klux Klan a été formé par les francs-maçons, là encore, notamment un homme appelé Albert Pike, franc-maçon de 33e degré, en Amérique du Nord.
Et puis, quoi d'autre encore ? Il y a quelques autres mouvements dont on parlera. Et dans cette présentation-là, à la fin, on parlera des francs-maçons, qui ils sont aujourd'hui. Donc on parlera des francs-maçons les plus puissants aujourd'hui dans le monde. On verra des noms de la politique en France. On verra un grand nombre de présidents d'Afrique francophone. On verra des noms d'hommes politiques et de pouvoir américains. On parlera aussi de la pensée de la franc-maçonnerie. On verra que la franc-maçonnerie, les cultes pratiqués dans la franc-maçonnerie sont lucifériens. On verra les textes qui en parlent. Et donc que ces hommes-là qui sont dedans à des niveaux de pouvoir très élevés sont lucifériens. Un élément qui est très intéressant dans cette présentation, c'est que ça va vous aider à y voir plus clair dans le monde dans lequel on vit, qui est tellement plein de tout un tas de fausses doctrines. Et on ne sait pas toujours faire la différence à savoir c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui n'est pas bon. Il y a tout un tas de personnes qui viennent frapper à notre porte et toutes semblent avoir la vérité. Mais si l'arbre sur lequel a poussé une doctrine est mauvais, le fruit, la doctrine en elle-même ne peut pas être bonne. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, dans cette partie-là, on verra des doctrines qui ont été créées par la franc-maçonnerie pour tous les protestants en général. Dans la partie qui suit, si on a l'occasion de la voir ensemble une autre fois, on parlera des doctrines qui ont été créées par la franc-maçonnerie afro-américaine, qu'on appelle franc-maçonnerie de Prinsall, spécialement pour les protestants afro-américains et par extension pour vous qui êtes une communauté antillaise essentiellement. Quelles ont été les doctrines qui ont été créées par les francs-maçons afro-américains pour détruire les protestants afro-américains et leur foi dans la parole de Dieu? On parlera de tout un tas de doctrines qui ont été créées par eux, jusqu'à la plus récente, à savoir la culture hip-hop. Et comment est-ce que concrètement le hip-hop est une doctrine qui a été créée par la franc-maçonnerie afro-américaine, avec les preuves à l'appui. Donc c'est un peu le menu pour la suite. Je vous laisse aujourd'hui avec une courte vidéo qu'on appelle un sermon jam. C'est un court sermon de 2-3 minutes qui axe sur l'essentiel, à savoir que s'il y a tout ça qui se passe présentement dans le monde, c'est pour vous éloigner d'une chose, et pas une chose en fait de vous éloigner d'un homme, Christ. L'homme Christ, le Seigneur Jésus, Dieu dans la chair. Tout est fait sur cette terre pour vous éloigner de lui. Et je veux finir cette présentation par une vidéo d'un prédicateur, un grand prédicateur, Southern Baptist, qui s'appelle Paul Washer, et qui va vous parler de l'importance de vous accrocher à Jésus et au message de l'Évangile. No one has ever been able to bear the preaching of the gospel. They will either turn against it with the fierceness of an animal, or they will be converted. Throw yourself upon Christ. Trust in Him. Trust in Him. We are not called to build empires. We are not called to be accepted. We are called to glorify God. Eternity. The day you stand in those granite halls before the Lord of glory and kings. The greatest men on earth are divided and split and culled. Some cast into eternal hell and some invited into eternal glory live for eternity. These Olympians, how majestic they are, but only for a moment. They start training when they're 4 and 5 years old. They never do anything but train until they're 22. They run a 9-second race for a medal they hang up, and that's it. Cannot give equal for eternal things. There is one there who is infinite in glory, and you will spend an eternity of eternities tracking him down, and you will never get your arms even around the foothill of his mountain. I can't live like this anymore. I can't live just reading books. I can't live just reading about revivals and about people who knew somebody who knew somebody who knew somebody who knew you. So many different things you want to know and do and all the books. Get out a book on God. This one. For it is for this we labor and strive because we fixed our hope on the living God. This is not some martyr thing in which we uselessly give our lives to nothing only to be pulverized without hope. No! We serve God and God will honor us. We have fixed our hope on that, and that gives us strength. Strength
oh, this life is a vapor. I'm 47, but yesterday I was 21. Where did it all go? It is a vapor. While you have strength, preach. I praise God that in His providence as a young man, I spent myself in the Andes Mountains and in the jungles of Peru doing what I no longer have the strength to do. While you are a young man, while there is strength in you, labor with all your might. Take those stupid video games of yours and crush them under your feet. Throw the TV out the window. You were made for greater things than these. You're a child of the King. Nothing on this earth can satisfy. Nothing. I want the power of God on my life. Then something's got to go. I want to know Him. Then some separation has to occur. Anything it takes, you have to literally be before the Lord. Lord, anything it takes. Anything it takes.